On se retrouve pour cette web-série qui aborde les différentes étapes à réaliser pour effectuer la toilette d'une personnalité. Voici les étapes à respecter afin de favoriser le confort, l'hygiène et la pudeur du patient au cours du soin. Attention, la procédure varie légèrement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Dans notre cas, il s'agit d'une femme. Je vais faire votre toilette intime maintenant, madame. Par contre, je vais être obligée de vous découvrir un petit peu. Est-ce que vous pouvez plier un petit peu les jambes? Je vais vous aider. Merci. Voilà. Voilà. Prendre un gant et une serviette propre. J'ai changé l'eau aussi parce qu'elle doit être propre. Puis, se désinfecter les mains avec de la solution hydroalcoolique et enfiler une autre paire de gants à usage unique. Je vais mettre un petit peu de savon. Vous allez me dire si la température de l'eau vous convient, ça va? Lavez avec du savon de la vulve vers l'anus pour éviter la remontée des germes. Je rince. Rincez et séchez les grandes et petites lèvres. Il est aussi possible de réaliser la toilette sur un bassin. Dans ce cas, le rinçage se fera avec un brosse. Je vais vous sécher sur tous les plis de laine, c'est important. Transpire un petit peu. Voilà, j'ai terminé. Je vais vous réinstaller. Vous pouvez déplier les jambes. En fin de toilette, n'oubliez pas de recouvrir la personne. Ça va ?